Yo tout le monde, c'est Minky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une toute nouvelle vidéo qui est assez spéciale, on peut le dire. Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ma caméra. La caméra qui va me filmer tout le temps maintenant, dès à présent sur cette chaîne. Jusqu'à présent je filmais avec mon téléphone actuellement. Et là j'ai investi dans une caméra. Donc j'espère vraiment que ça va être de la qualité, si on peut dire. Parce que franchement j'en ai marre de filmer avec un téléphone qui filme en 720p. Bref, sans plus tarder les gars, on va l'ouvrir. L'appareil photo je l'ai acheté sur le site Fox. Je sais pas si vous connaissez. Je vais me planter. Et Fox c'est un très bon site. Du coup j'en suis contente et n'hésitez pas à acheter votre matos là-bas. C'est vraiment carré dans le bas. Le Canon EOS M50 les gars. Tu vois que quand j'étais petite, et bah j'avais un appareil photo et j'ai dit à papa, oh le Canon il me plaît bien. Est-ce que ça m'intéresse? De toute façon tu vas le couper hein. Du coup les gars, voilà la bête. J'ai commandé le Canon EOS M50 pour ceux qui s'y connaissent. En plus les gars, ce qui est super top, c'est que j'ai déjà un micro Rode que j'avais acheté à l'époque. Tard à l'époque, t'as vu? Et du coup, bah, je suis contente parce que ça me fait une caméra et j'ai déjà le micro. Ça fait ça en moins acheté. Mais normalement, il faut une carte SD là-dedans, non? Non mais j'ai pas reçu encore la carte SD, je vais pouvoir filmer. Ah, j'ai trop le seum. On va commencer par le plus nul. Alors ça, on a tous connu ce daron avec son appareil photo et le truc autour du cou. Alors lui, il est magistral. Ça, franchement, j'utiliserai jamais, mais on va le garder. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Je suppose qu'ici, j'ai la batterie. Une prise, très intéressant. Ah bah, je pense que ça va être pour le chargeur. Ah, c'est ça les gars. J'ai juste entre les mains le chargeur de la batterie. J'ai qu'une batterie. Je pense que ça devrait suffire pour ce que je fais sur YouTube, mais voilà, voir à l'avenir si j'en achète une autre. Et enfin, le majestueux. Le magistral. Parce que si je le fais tomber, 500 euros, ça fait mal au cul. Le Canon. En fait, attends. Bon, vas-y, on fera ça plus tard. Là, on n'est pas en moment ASMR. Et en vrai, je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je me dis, en vrai, faut que j'achète un appareil et tout. Mais en vrai, à la fois, je me dis, j'en ai pas besoin. Je suis émue. Voici ma caméra. Vu que je m'y connais pas en appareil photo, ça va être compliqué de vous le présenter. Mais je vais essayer de faire ce que je peux. Déjà, voir comment il s'allume. Ah, on off. Non mais si. Mais attends. Et regarde là, l'écran. J'ai fait exprès de prendre un écran incurvé comme ça. Ça, c'est un écran qui est comme ça. Oh my et quand God. Je vais pouvoir me filmer, je vais pouvoir le retourner. Wow, c'est incroyable. Il est super bien maniable. On est bien d'accord que on, c'est allumé. Ah, bah, c'est bien beau de mettre le... l'allumer, mais quand on n'a pas mis la batterie dedans. Je me disais pourquoi il s'allume pas. Normalement, si je le trouve pas, c'est quoi le sens? Bah essaye hein. Peut-être faut enlever le truc blanc, non? Oh, c'est qu'elle est ingénieuse elle. Eh, hey, il y en a là dedans. Je me disais le truc blanc il rentre pas. Ok, ça s'allume. Oh. C'est magnifique, c'est génial. Après, je vais pas le configurer avec vous parce que ça va être de vous ennuyer à mort. Je pense que vous en avez rien à faire. Nous, on va se reprendre une fois que j'aurai reçu ma carte SD. Parce que sans carte SD, je ne peux pas filmer. Du coup, voilà, moi je vous laisse. Pour moi, on va se reprendre dans je sais pas combien de jours. Et vous, on se reprend tout de suite. Et wesh les gens, du coup, là, on est en train de se retrouver parce que je viens de recevoir ma carte SD. Alors là, j'avais l'appareil, je pouvais pas filmer. Mais comme là, j'ai la carte SD, je vais pouvoir filmer. Il y a mon adresse. Oups. Bref, sans plus tarder, les gars, on va arrêter de blablater. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de tester mon appareil tout simplement. Oula, oui. C'est un peu du costaud tout ça. Du coup, pour ceux qui s'y connaissent, voilà, j'ai pris une 64 Go. Et voilà, je sais pas trop quoi dire. Par contre, comment on ouvre ce truc? Faut que je tire sur ça, faut que j'arrache. Par contre, on va pas se mytho qu'elle est hyper bien protégée. Là, il y a du plastique, et autour du plastique, il y a encore une boîte. Les ongles, ils arrivent pas à transpercer. Ah, mais attends, c'est super galère, hein. Maintenant, faut que j'insère ma carte. Alors, c'est dans quel sens? Ouais, attends, faudrait peut-être que j'enlève le cache, parce que je risque pas de filmer grand-chose. C'est tout flou. Non, mais les gars, c'est quoi, ça? Les gars, je me sens trop débile. J'ai acheté une carte SD. J'ai acheté
un appareil photo. Et j'ai peut-être compris pourquoi c'était tout flou. Faut peut-être un objectif. J'ai le seum, clairement. Parce que ça coûte cher, un objectif. Et là, je suis ruinée, mon pote. Vas-y, je sais même plus quoi dire, j'ai trop le seum. Bon, ça y est, je suis tout émoustillée, j'en fais tomber mon appareil, on va le poser. Bref, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on se retrouvera un jour, écoute. J'ai trop le seum. Bon, les gars, comme vous pouvez vous en douter, rien ne s'est passé comme prévu. Et oui, alors figurez-vous que j'avais recommandé un objectif, mais problème, j'ai pas pris un objectif compatible avec mon boîtier. Donc je l'ai renvoyé, et là je me suis recommandé un nouvel objectif. Donc là je suis sûre qu'il est compatible à 100%, mais j'ai encore une galère. J'ai commandé mon deuxième objectif sur Rakuten, et mon livreur c'est colis privé. Ne prenez jamais comme livreur colis privé. C'est vraiment de très médiocres services, on va dire ça comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sonné chez moi, donc je n'étais pas chez moi. Donc au lieu de mettre l'objectif dans la boîte aux lettres, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le point relais, enfin le plus près de chez moi, alors qu'en vrai c'est pas le plus près, mais on s'en fiche. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit, on va mettre votre colis là-bas d'ici 3 jours. Sur l'intervalle de ces 3 jours, le site s'est fait cyber attaquer. Donc les gars, ce qui veut dire que là, je ne sais pas quand est-ce que je vais revoir mon objectif. Mon père les a appelés. Concernant l'objectif, il en est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? La dame a dit je sais pas. Donc voilà, moi en fait, si j'ai pas tourné pendant 3 semaines, les gars, c'est à cause de ça, c'est parce que je m'étais dit, vas-y, j'attends mon appareil, là ça y est, je vais enfin faire des bonnes vidéos, de la qualité, j'attends. Donc il s'est passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout de 3 semaines, je peux pas ne pas vous sortir de vidéo. Donc là, je vous sors ça. Les prochaines vidéos, ça va encore être filmé avec mon vieux téléphone parce que j'ai pas le choix. De toute façon, avec moi, y a rien qui se passe comme prévu. Bref, les gars, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.